Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bien welcome back. Je sais pas si c'est la première fois ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger le jeu Les Sims sur votre ordinateur. Il faut savoir que depuis le 18 octobre, le jeu a été gratuit. Maintenant, vous avez la possibilité de télécharger le jeu de base sur votre ordinateur portable de manière gratuite. Il faut savoir que depuis que le jeu est sorti, c'est-à-dire en 2000, je n'étais même pas encore née, le jeu n'a jamais été gratuit. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et il faut vraiment en profiter et montrer comment faire pour l'avoir aujourd'hui sur votre ordinateur portable, de jouer comme cela vous chante. Et par la suite, vous pouvez télécharger, si vous voulez, les kits et les packs qui sont en vente sur Electronic Arts ou bien sur Origin si vous avez Mac. Donc il faut savoir aussi qu'il faut avoir une très bonne connexion internet. Si vous ne l'avez pas, vraiment c'est quelque chose de pas très grave, mais vous allez attendre des heures parce que c'est quand même un peu lourd. C'est 18 si je ne me trompe pas, giga. Et oui, c'est pas très facile de télécharger 19 gigas en quelques heures en fait, donc il faut avoir une très bonne connexion à internet. Alors je vais faire un petit résumé de ce que c'est le Sims, parce que je sais que peut-être certains sont en train de dire elle parle de quoi. En fait, je parle des jeux, du jeu Le Sims. Le Sims, c'est une série de jeux vidéo, parce que nous avons, comme pour les séries télévisées que vous regardez, il y a saison 1, saison 2, saison 3, etc. Là aussi, il y a des saisons. Mais bon, c'est pas des saisons, c'est des jeux qui ont été améliorés au fur et à mesure. Donc, le 1, il est sorti, on a amélioré, on a créé le Sims 2. On a amélioré encore, on a eu le Sims 3. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'au 4. Maintenant, avec l'événement qui a eu lieu le 18 octobre, nous savons que les Sims 5, c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt. Nous ne savons pas quand encore, mais c'est pour bientôt. Nous l'attendons avec impatience. Oui. Et je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont amener de plus. Est-ce que c'est le graphisme ou bien, etc., etc. On verra, on verra. Donc là, je m'en arrête là parce que je ne vais pas aller très loin sur l'explication des Sims, parce que je ferai une vidéo spéciale pour cela bientôt. Navigateur, et nous allons écrire Electronic Arts. Vous pouvez le voir, c'est déjà là. Vous prenez la première option et nous irons directement sur sa page. Voilà, vu que c'est la Coupe du Monde, c'était... Bon, c'est la Coupe du Monde. Donc, vous verrez d'abord la Coupe du Monde, FIFA 2022, vous avez les autres jeux, et là nous avons les Sims. Donc nous allons appuyer directement sur Sims 4. Voilà, nous irons directement sur la page officielle des Sims. Comme vous pouvez le voir, il est gratuit, c'est écrit jouer gratuitement. Quand vous défilez, vous pouvez voir les informations liées au pack Sims, au kit, etc. Les nouveautés, les mises à jour. Voilà, comme là, ça c'est nouveau, etc. Voilà. Maintenant, nous allons appuyer sur jouer gratuitement. C'est gratuit. Et là, dès que vous appuyez, vous pouvez voir les différentes étapes que vous devez suivre pour télécharger le jeu. Télécharger, installer, créer votre compte, vous connecter, etc. Maintenant là, si vous appuyez, vous pouvez voir les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez télécharger les Sims. Là, nous, vu que nous avons un PC Windows, nous allons appuyer sur la première option. Sinon, si c'est Mac, vous pouvez télécharger Origin. Après, pour le reste, voilà, on appuie et ça se télécharge directement. Nous appuyons dessus. Moi, par contre, je l'ai déjà téléchargé. Du coup,
Si j'appuie, je risque de re-télécharger cela. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est déjà installé. Donc, je vais annuler juste... C'est tout. Voilà. Et nous allons ouvrir directement Electronic Arts, l'application. Se connecte. Voilà, là nous sommes sur la page d'accueil. Là, c'est mon compte, il y a des noms bizarres. Bref. C'est ça, je suis en ligne. Et sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a déjà les Sims. Donc, il vous suffira juste, si vous défilez, vous allez voir les autres jeux disponibles. Là, c'est les kits de Sims. Et les Sims, tout simplement, sont là. Si vous regardez, voilà. Maintenant... Nous allons... problème. Voilà. Bon, vu que... Voilà, nous allons écrire directement ici. Les Sims 4. Nous allons rechercher. Et là, comme ça, nous aurons directement le résultat. Vous avez les différents Sims qui existent. Les Sims 3, Sims City, etc. Medieval. J'ai jamais joué à ça. Et là, vous avez les kits, les packs et tout, etc. Maintenant, nous allons sélectionner les Sims qui nous intéressent. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, il suffira juste d'appuyer sur télécharger à la place de mise à jour. Maintenant, vu que... Voilà, je vais mettre à jour en même temps. Ce sera un peu pareil. Là, vous avez la mise à jour. À côté, vous pouvez voir. C'est les jeux que j'ai déjà installés. J'ai installé que les Sims. Les autres jeux ne m'intéressent pas vraiment. Même si je joue à d'autres jeux comme GTA, etc. Je joue à d'autres jeux. Hein. Même le jeu de course là. Asphalt, je pense, oui. Joue à ça aussi. Donc voilà. Là, j'ai fait la mise à jour. Voir les propriétaires, tu vois. Les informations me montrent là où c'est installé, etc. Donc voilà. Là, on ouvre le jeu. Ah, comme d'habitude, ça prend un peu de temps. Se charger et tout. Là, c'est le jeu, vous voyez. Et là, vous avez votre jeu installé gratuitement, sans fraude. Oui, moi, je vous dis la vérité. Hein. Les Sims que j'avais déjà toutes les mises à jour jusqu'à je sais plus lequel. Et c'était craqué. C'était le jeu craqué. Là, c'est la première fois que je le télécharge genre pour de vrai. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'y tenir et acheter, etc. Les autres mises à jour, les packs et les kits, je vais les acheter. Va être dans le halal, hein. C'est comme ça. Du coup, vous pouvez voir, ça charge. Là, c'est les petites astuces qu'ils écrivent en bas comme ça. Si vous regardez, parfois vous avez des tutos. Ben, pas tuto, mais quand même, ils vous expliquent certaines choses. Voilà, ça va être bon. Voilà. Nous sommes maintenant sur la page, l'interface d'accueil des Sims qui a été changée, bien sûr. C'était pas comme ça avant. Maintenant, c'est comme ça. Là, on montre les mises à jour qui ont eu lieu entre temps que j'ai pas encore téléchargé, mais pour bientôt, Inch'Allah. Voilà.
Donc là, vous avez votre jeu gratuitement. Allez, bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Très peu. Allez, bisous, bye.